Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jadot. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça fait quelques jours que je me suis pas vraiment posée pour lire. J'ai eu ni vraiment trop l'envie, ni le temps. Mais là, ça y est, c'est enfin la fin de la semaine. Je vais donc me poser un petit peu, hein, tranquillou, pépouze. Et puis je me suis dit que je pouvais vous partager ça. Niveau lecture, qu'est-ce que Jadot va lire? Bah écoutez, je suis pas encore très décidée. J'hésite entre La fille de la supérette de Sayaka Murata, que j'ai acheté le week-end dernier. Et à chaque fois que quelqu'un m'en a parlé, on m'a dit « Ouais, tu vas voir, c'est génial, tu vas adorer. » Donc écoutez. Moi je trouve ça assez vendeur, c'est court en ce moment, j'avoue j'ai rien contre des lectures voilà, qui se terminent assez vite. Ou sinon, voilà, ça fait du bruit ça, il y a Burn de Patrick Ness que j'avais trop envie de lire quand il est sorti. Patrick Ness, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression une lecture sur deux c'est un coup de cœur et l'autre lecture sur deux c'est un raté. Et donc là celui-ci c'est le tout dernier qui était sorti et il me faisait bien envie. Donc écoutez, peut-être que je vais me lancer, mais si je dis pas de bêtises, c'est plutôt de la fantasy, c'est moins mon truc en ce moment, même de manière générale, hein, je suis vite paumée moi là-dedans. Oh, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais picorer un peu dans les deux, et puis bah écoutez, vous allez voir ça de toute manière. Allez, je fais une petite pause. J'ai lu à peu près 80 pages de Burn de Patrick Ness finalement. Je me suis dit que j'allais tenter celui-ci parce que voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Je commençais à culpabiliser un peu parce que quand il est sorti, il me tentait énormément. Et puis après, voilà, vous savez comment ça se passe. On les oublie, hein, les petits coquins. Je suis pas hyper convaincue, honnêtement, pour le moment. On rentre assez facilement dans l'histoire. Ça, c'est chouette. Mais en gros, l'idée, c'est que pour nous parler de racisme, on part dans un délire avec des dragons, machin. Je pense qu'il faudra du temps pour voir si je suis convaincue de cette démarche ou pas. Et ouais, j'ai arrêté au bout de 80 pages parce que voilà, on se retrouve avec une scène de tentative de viol un peu comme ça, allez cadeau. Et parfois dans certains livres, j'avoue que j'ai un peu du mal, je trouve que ça fait un peu processus narratif juste dès qu'il y a une meuf. Et moi je voulais juste un peu me reposer tranquille, profiter de ma soirée. C'est un peu triggering hein, comme on dit. Donc peut-être que je vais plutôt faire une pause avec celui-ci. Et tenter l'autre un peu plus tard dans la soirée. Mais je voulais profiter de ce moment avec vous pour éviter de tomber de mon fauteuil. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je réponde à des questions. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Déjà, la question que je trouve hyper chou et qui est pas mal revenue, c'est comment ça va? Et bah déjà, merci Mathilde Jeannot de vous inquiéter pour ma personne. Je trouve que c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre parce que voilà, avec le corona, etc. Si vraiment vous pétez le feu... bravo à vous. Moi j'avoue je pète pas le feu, mais après j'ai une situation qui est loin d'être la pire, donc je trouve que c'est difficile de se plaindre. Après voilà, j'ai commencé un boulot, j'ai emménagé dans mon premier appart, donc ça s'est pas fait forcément dans les conditions que j'aurais souhaité, mais c'est quand même pas dégueu. Mais c'est vrai que là je vous fais cette vidéo après l'annonce de notre premier ministre d'un reconfinement. Donc voilà, honnêtement, celui de novembre, il était difficile de me retrouver seule, etc. C'était pas le feu. Donc, bah écoutez, j'essaye de faire ce qu'il faut pour que ça aille. En tout cas, pour pas me laisser dépérir, et c'est déjà pas mal en ce moment. Et surtout, de ce que j'ai du mal à faire et qu'il faut que j'essaye de faire un peu plus, c'est d'accepter
comment dire, d'être là où je suis et que là où je suis actuellement, c'est déjà bien. Et je suis souvent dans le futur de j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, ce qui fait que bah, j'ai beaucoup de mal à me reposer, à prendre du temps pour moi. Et je suis toujours dans le oui, mais là j'ai du temps, je pourrais faire ça parce que après ça va m'aider à aller plus loin dans ma carrière ou dans machin et je vais pouvoir évoluer. Et en fait, j'ai du mal à apprécier juste le moment présent. Donc ça, il faut que je travaille dessus. La deuxième question qui est pas mal revenue, c'était beaucoup par rapport à ce que je fais en ce moment. En fait, vous étiez beaucoup à vous demander, est-ce que je fais des études, est-ce que je bosse, machin. Et ben, j'ai terminé mes études en master de journalisme l'année dernière, donc au CELSA, et j'ai enchaîné avec un boulot dans une mutuelle hospitalière. Je fais de la vidéo pour eux, donc c'est pas vraiment journalisme, c'est plus communication. Mais avec la situation actuelle, c'est déjà sympa d'avoir un boulot. Donc j'ai commencé ça tranquillement, ce qui me permettait de pouvoir continuer de faire de la vidéo et aussi d'avoir du temps pour ma chaîne à côté, ce qui était ce dont j'avais surtout envie. Et donc ça allait un peu avec d'autres questions que vous demandiez sur mes projets, etc. Qu'est-ce que j'aimerais faire sur la chaîne ou même un peu dans le journalisme, etc. Le journalisme, c'est quelque chose que finalement j'adore et j'espère ferai tout au long de ma vie. Et à l'heure actuelle, je développe un peu différents projets pour revenir doucement vers le journalisme. Rien n'est encore fait, donc je vais éviter de l'ouvrir parce qu'après, si ça ne se fait pas, je vais le regretter. Mais voilà, il se passe des petites choses. Et puis sinon, j'ai fait pas mal de missions un peu en freelance dernièrement, notamment sur du montage, ce genre de choses, histoire de mettre des pépettes de côté pour acheter notamment du matériel pour la chaîne YouTube et puis avoir un filet de sécurité. En ce moment, c'est quand même pas dégueu. Donc sur la chaîne, je suis très contente d'avoir repris un rythme un peu plus soutenu, comme on pourrait dire. C'est vrai que quand je cherchais un peu ma place, mon rythme ces derniers mois, en fait, je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à finir ma semaine sans avoir une vidéo avec vous. À la fois, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais en fait, je kiffe, ça clôture hyper bien ma semaine. Et ça, c'était un peu la question que vous posiez aussi, de savoir comment j'ai fait pour tout faire en même temps. Je ne sais pas. Je dors peu et très mal, donc peut-être que ça aide. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour autant. Et j'ai toujours été un peu comme ça. C'est lié à mon anxiété, je pense, de faire énormément de choses en même temps. Ce qui n'est pas toujours quelque chose de bien. Ça m'arrive que du coup, je fasse les choses un peu mal parce que je fais trop de choses en même temps. Mais ouais, j'avais peur aussi dernièrement, je pense, de me retrouver juste dans le côté, j'ai un travail. Et le week-end, je me repose, mais de toute façon, j'arrive pas à me reposer, donc bon, autant faire des vidéos. Et de pas avoir un truc qui me motive au jour le jour de développer mes projets, etc. Donc, je suis très contente d'avoir repris ce rythme un petit peu plus fifou sur la chaîne. J'espère pouvoir vous faire un épisode des bouquins d'abord bientôt. Honnêtement, j'aimerais bien autour de mai-juin, mais d'un côté, je suis aussi beaucoup plus dans la réserve parce que j'ai pas envie de tourner quelque chose alors qu'actuellement Corona, geste barrière, tout ça, on en a fait un l'été dernier où le virus était quand même moins présent et c'était chouette. Là je suis pas à l'aise avec l'idée de vous en faire un quand même bientôt. Il y avait aussi le projet de partir au Pays de Galles pour vous faire un peu... Je vous avais fait un premier épisode à Becherel sur la cité du livre de Becherel. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et il y aurait une sorte de deuxième épisode au Pays de Galles dans la ville de Hay-on-Wye. Et c'est une ville où il y a quasiment 30 librairies, enfin, c'est assez incroyable. Et ce projet, il est trop chouette. J'ai eu un financement de la part du Centre National du Cinéma pour le mener à bout. Donc j'ai trop hâte, sauf que je voulais y aller au moment où il y a un énorme festival de littérature fin mai, si je dis pas de bêtises. Et ça a été annulé. Donc niveau reportage, tout ça, on s'adapte, j'ai envie de vous dire. Ça fait un peu yesh, mais d'un autre côté, je trouve que ça permet de faire des choses intéressantes. Par exemple, ma vidéo sur Amazon que je vous ai sortie, j'ai tout fait en étant depuis chez moi. Et c'était quand même assez rigolo de pouvoir réfléchir à d'autres manières de faire. Combien de livres est-ce que tu lis par mois sans pression? En général, 2 livres par semaine. Après, ça bouge un peu de temps en temps. Comment s'organise ta bibliothèque? À l'heure actuelle, c'est le sbeul, hein. Depuis que j'ai emménagé, j'ai pas vraiment eu un coin. J'ai pas vraiment décidé d'avoir un coin bibliothèque où il y aurait tous mes bouquins parce que je trouvais que ça prenait de la place. Et parfois, je trouve que c'est hyper intimidant, un énorme coin librairie, enfin bibliothèque. Enfin, j'avais pas forcément envie de ça chez moi. Donc, il y a des bouquins un peu partout. Hein. Il y en a dans la cuisine, il y en a dans l'espace cuisine, l'espace salon, hein, tout ça, tu connais, hein, 18 mètres carrés. Mais voilà, il y en a un petit peu partout. Autant vous dire que quand je cherche un bouquin, c'est pas évident. Hein. Donc, en général, j'évite. Vous vous demandiez aussi quelle était ma relation avec ma palle, ma pile à lire. Est-ce que c'est quelque chose qui m'angoissait ou pas? Honnêtement, non. J'achète des bouquins. Parfois, il y en a qui restent un peu dans mes étagères et que je lis pas, ça me frustre pas plus que ça. J'en achète pas non plus des tonnes et des tonnes, donc honnêtement c'est pas un truc où ça part en cacahuète.
et juste bah je lis un peu ce que j'ai envie de lire et je me pose pas trop la question. C'est vrai que c'est étonnant hein, pour quelqu'un qui intellectualise tout et qui stresse de tout, la pâle, non ça va. Et sinon ça me fait penser aussi à une autre question que vous aviez qui est comment je réfléchis à des thèmes ou des sujets pour la chaîne. Ça vient un peu comme ça, honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse pour ça. En général, je me fais un planning et puis je note petit à petit mes idées. Il y en a qui viennent bah, quand j'arrive pas à dormir. Parfois, de regarder un peu les vidéos des copains et des copinettes, bah, ça aide à avoir d'autres idées, etc. Et puis, tout simplement, c'est tout ce qui me rend un peu curieuse. Et je suis une personne assez curieuse. Si je pense à des trucs et je me dis, ah tiens, c'est un thème intéressant, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet, bah, je fonce. Ou sinon, bah, je fais un petit peu de veille hein, sur les sites web qui parlent de littérature. Et en général, pareil, ça peut déclencher un peu des idées. Il y avait une question aussi, c'était comment fais-tu tes recherches pour tes vidéos et combien de temps tu y passes ? Ça dépend des vidéos, mais quand c'est des thèmes un peu de historique, etc., bah, ça peut me prendre beaucoup de temps, la recherche. C'est des choses, honnêtement, je peux y passer 8-10 heures. Mes vidéos, ça me prend une bonne portion de ma semaine, hein, honnêtement. C'est pour ça que parfois, j'ai un petit peu de mal. Le montage, pareil, j'aime bien prendre beaucoup de temps pour monter. Ça peut, pareil, me prendre parfois entre 5 et 10 heures. Mais je suis de plus en plus rapide, comme je l'ai fait aussi dans mon boulot. Donc ça, je suis de plus en plus rapide. Mais ouais, ça, en vrai, ça me prend quasiment tout le temps de mon week-end ou une grosse partie de mes soirées en semaine, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous en avez envoyé beaucoup, je vais pas pouvoir répondre à tout, dis donc, faudra qu'on se refasse ça régulièrement. Quelque chose du quotidien qui te rend heureuse ou améliore les moments un peu de bad mood ? Et ça, je vais la coupler avec une autre question, c'est le thé. J'adore le thé, je bois énormément de thé, peut-être un peu trop, je commence à avoir les dents bien jaunes. Il y avait une question, c'était quel est ton thé préféré ? À l'heure actuelle, c'est le thé du hammam que je me suis fait tout à l'heure, du palais d'été. C'est un thé vert, il y a des fruits rouges dedans. Ah, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très très bons, ça fait 2 ans que je le bois, ouais, tous les jours non-stop, je crois. Il y avait aussi quelques questions sur est-ce que j'écris ou pas en ce moment ? Honnêtement, pas vraiment, hein, on va se le dire. J'écrivais pas mal au lycée, et puis après j'ai un peu mis de côté, et je crois que ma chaîne YouTube et la vidéo de manière générale, ça a plus pris le dessus. C'est un truc, ça me frustre pas plus que ça, je me dis peut-être un de ces jours je m'y remettrai, et sinon, bah, c'est pas bien grave, j'ai déjà plein de choses qui m'épanouissent dans ma vie. Alors cette question, je l'ai trouvée hyper rigolote. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte pour finir ta vie, lesquels est-ce que tu prendrais ? Ah, c'est compliqué. Je pense que j'emmènerais La vie devant soi de Romain Gary parce que c'est un livre que je trouve hyper beau, qui m'a beaucoup marqué. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll parce que je l'ai lu assez jeune et que je trouve qu'à chaque fois, il y a des relectures qui sont hyper intéressantes. Et je sais pas, genre, il me fascine un peu ce livre, je crois. Et le dernier... Voilà, oh là, le dernier, c'est pas évident. Qu'est-ce que je pourrais emmener ? Ah bah les poèmes d'Emily Dickinson, ça me durerait un petit moment, c'est pas con. Ouais, bah les petits poèmes d'Emily Dickinson, hein, je crois. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Il y avait une question aussi sur quelle série, film, machin, je regarde en ce moment. Honnêtement, c'est un peu honteux, hein. Je regarde des trucs que j'ai vus à peu près 20 fois. Je me suis refait toutes les saisons de Desperate Housewives. En ce moment, c'est Ugly Betty. Je pense que je trouve beaucoup de confort dans le fait de regarder un truc que j'ai déjà vu. Mais en général, ça me frustre un peu parce que je finis mes soirées à me dire « Ah ouais, vraiment, j'ai déjà vu des tonnes et des tonnes de fois. » Donc si jamais vous avez des recommandations de séries, des choses plutôt feel good, écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et puis moi, ben, je pense que je vais entamer du coup La vie de la supérette. Je pense que ça peut être très sympa et peut-être un peu plus détente que ce que j'ai commencé là, ça m'a pas aidé à me détendre. Je crois que ça va être l'heure de manger, quelle heure il est ? 19h30, je vais aller me faire à manger, je lis un petit peu, voilà, tranquille, je profite de la soirée. Peut-être que je vais même regarder un film, quelque chose, et puis bah, je vous tiens au courant de l'avancée de mes lectures.
Eh ben écoutez, ma team Jeannot, j'ai donc changé. Hein. Je me suis dit, si la première lecture fonctionnait pas forcément pour moi, bah j'allais changer, hein. Y a pas de raison. Et donc j'ai commencé La fille de la supérette. J'ai lu 56 pages, ça se lit hyper vite. Pour le moment, ça a l'air mignon. J'aime bien, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et que je reprendrai ça tranquillou dans le week-end. Je pense que ça va se lire hyper vite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me le dire, hein, dans les commentaires. Comme ça, je saurai que c'est un format qui vous plaît et je pourrais vous en proposer un peu plus souvent si ça vous tente. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. On va se retrouver pour le tout premier live sur les 4 qui sont prévus sur ma chaîne en collaboration avec l'édition Steinkiss. Donc restez connectés, hein, comme on dit. Et puis je vous dis... Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, bah, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.